La chronique gaming de Joe Vidéo. Du sexe, de la drogue, de la violence. Les rues de Miami en sont saturées. Dans cette célèbre station balnéaire de Floride, où retraité rime avec palmier, se développe pourtant un impressionnant réseau criminel. Cette semaine, enquête exclusive vous plonge en apnée dans les arcanes de la pègre de Hotline Miami 2. Salut les petits culs et bienvenue sur Miami Radio. Je sais pas si vous avez suivi les news récemment, mais il semblerait bien que les développeurs tarifs chez Denaton Games aient récidivé en réalisant Hotline Miami 2 Wrong Number pour le compte de l'éditeur Devolver Digital. On en apprend plus sur cette affaire juste après une courte page de pub. Bouge pas bébé. Ouais, allô Michel, j'ai un message pour toi. Le poulet du restaurant russe de l'angle de la 5ème et de Headlash Avenue est cuit à point. Mais les cuistots ne veulent pas qu'on le déguste. Je te conseille d'aller y jeter un œil et de leur apprendre à servir d'un chauffe-plat, si tu vois ce que je veux dire. On compte sur toi. Salut. Hey babes, ici Rodney Griffin pour vous parler du jeu Hotline Miami 2 Wrong Number. Un jeu indépendant dispo sur PS3, PS4, PS Vita, Mac et PC. Hotline Miami 2 Wrong Number est un shooter ultra-violent visuellement hyper rétro. La caméra placée au-dessus de l'action vous place dans la peau d'une poignée de personnages, tous plus homicides les uns que les autres, et vous transporte dans un Miami fantasmé typé années 80, années 90, faisant de vous un expert en fusillade, en tronçonnage, en étranglement, en pétage de dents, en éviscération... Hotline Miami 2 Wrong Number, the game that will drive you insane. Et tout de suite un extrait de la monumentale bande originale de Hotline Miami 2 Wrong Number, la suite du déjà culte Hotline Miami. La BO du jeu participe largement à son aspect hypnotique et addictif. Préparez-vous à plonger dans un bad trip sous acide. Attention à la gueule de bois, voici Carpenter Brut avec Roller Mobster, extrait de la BO de Hotline Miami 2. Si tu veux t'arrêter, t'arrêtes Jean-Marc. Mais avant, faut que t'ailles faire le ménage au garage Danny Downtown et que t'apprennes la vie à tous les connards sur qui tu tomberas là-bas. Après, si tu veux, t'arrêtes. On t'oublie, ok mec? Si tu veux plus bosser dans la pègre, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon problème. Mais d'abord, il faut que tu fasses ça. Ok Jean-Marc? Non mais regarde pas à côté Jean-Marc, est-ce que tu m'as compris? Jean-Marc, tu m'écoutes quand je te parle ou pas? Hotline Miami 2, un jeu dans lequel selon le masque d'animal que vous portez, vous bénéficiez de différents types de personnages. Par exemple, le masque de Corey, qui représente un zèbre, vous permet d'esquiver les balles. Tony, avec son masque de tigre, vous confère une force décuplée mais vous interdit l'utilisation des armes. Et ainsi de suite. Du coup, sous ces airs de jeu ultra speedé, Hotline Miami 2 Wrong Number laisse aussi la place à un peu de personnalisation et de stratégie. Hotline Miami 2, Wrong Number. A video game qui rend addict en moins de temps qu'il n'en faut pour dire You breach 911, what's your emergency? You breach 911, what's your emergency? You breach 911, what's your emergency? Tu parles vite avec un jeu qui va vite, tu parles vite avec un jeu qui va super vite, tu parles aussi vite qu'un jeu qui va super vite, où tu flingues super vite, des mecs qui vont super vite essayer de te trancher la gorge super vite. Je vais tous vous bousiller, putain! Hotline Miami 2, Wrong Number, est dispo sur PS3, PS4, PS Vita, Mac et PC. Si tu ne veux pas qu'on envoie la cavalerie te dire bonsoir avant que t'ailles au pieu, je te conseille d'y jouer rapidement. J'espère que tu m'as bien compris, Toka. Bon gaming, et à jeudi. La chronique gaming de Joe Vidéo.